Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Jésus est né ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 18, le verset 2. « Je t'aime Seigneur ». Vois-tu Joseph et Marie? Ils ont beaucoup voyagé et ils cherchent maintenant un lieu pour se reposer. « Je suis désolé, monsieur, » dit l'aubergiste. « Toutes mes chambres sont occupées. »« Mais nous venons de loin, » dit Joseph. « Et ma femme va bientôt avoir un bébé. »« Vous n'avez vraiment pas un lieu pour que nous restions ?»« À bien réfléchir, vous pourrez rester dans l'étable, » répondit le gentilhomme. « J'ai des animaux là-bas, mais... » Au moins, vous pourrez être au sec et vous serez au chaud là-bas. Oh oui, eh bien, nous irons dans l'étable. Merci, merci, mon cher monsieur. Regarde les animaux. Vois-tu la mangeoire? La paille dans la mangeoire est douce. Elle fera un bon petit lit bien douillet pour le bébé. Je pense que l'étable sera un bon endroit pour rester pendant quelque temps. Et puis, Jésus est né. « Mettons le bébé sur la paille dans la mangeoire, » dit Joseph. « Tu devrais te reposer, Marie. Tu es fatiguée. » Marie regarde son beau bébé garçon. Elle a tous ses cheveux bouclés et ses belles petites oreilles. Elle l'aime tellement. « Viens par ici, » dit Joseph. « Viens maintenant te reposer, Marie. » Pendant ce temps, les bergers faisaient paître leurs troupeaux sur la colline. Ils ont entendu que Jésus allait venir sur terre. Quand allait-il venir? Ils se demandaient. Va-t-il bientôt venir? Oui, la parole de Dieu a annoncé qu'il viendrait bientôt. Alors les bergers ont vu dans le ciel une étoile éclatante de lumière. Et soudainement, un ange est apparu. N'ayez pas peur, dit l'ange. Je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus le Sauveur est né. Vous le trouverez dans la ville. Cherchez un bébé allongé dans une mangeoire. Et plusieurs anges l'accompagnaient. Il y en avait beaucoup, beaucoup, et tous louaient Dieu en chantant. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous devons partir à sa recherche, dirent-ils les uns les autres. Nous devons aller dans la ville et chercher ce bébé. Et ils partirent et trouvèrent Jésus. Merci Seigneur, les bergers prièrent. Merci d'avoir envoyé ton Fils sur la terre. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être notre Sauveur. Nous dirons à tout le monde que nous avons tous besoin de lui. Nous aussi, nous pouvons remercier Dieu pour nous avoir envoyé Jésus comme un bébé sur terre pour nous sauver. Et nous pouvons le remercier en priant. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous aimer, pour nous sauver et prendre bien soin de nous. Nous l'aimons tendrement et nous t'aimons aussi au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi que Jésus est né sur la terre comme un bébé comme vous et moi, mais il est venu pour nous aimer et nous sauver. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Les bergers trouvent le petit Jésus ». Notre verset à mémoriser dit « Le Seigneur a fait beaucoup pour nous » et il se trouve dans le psaume 126, 3. Aujourd'hui nous apprenons que nous adorons Jésus lorsque nous parlons de lui aux autres. As-tu déjà espéré une chose spéciale, comme par exemple un cadeau d'anniversaire? As-tu reçu cette chose spéciale?
La nuit commença comme n'importe quelle nuit. Les bergers veillaient sur leurs troupeaux de moutons, sur les collines, près de la petite ville de Bethléem. Ils parlaient ensemble de la promesse spéciale que Dieu avait faite plusieurs années auparavant. La promesse qu'un nouveau roi viendrait sur terre. Et ils se demandaient si Dieu enverrait bientôt ce nouveau roi. Soudain, une brillante lumière apparut dans le ciel. Les bergers eurent très peur, mais ils entendirent une voix qui disait « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. » Les bergers se tournèrent les uns vers les autres. « Est-ce possible ?» se demandèrent-ils. « Dieu aurait-il envoyé le sauveur promis depuis longtemps ?» L'ange dit encore « Vous trouverez un bébé enveloppé dans les langes et couché dans une crèche. » Alors des centaines des anges se joignirent au premier jusqu'à ce que le ciel s'illumine tout entier et l'air résonna de leur chant. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Les anges terminèrent leur chant et s'éloignèrent doucement vers les cieux. La brillante chorale fut de plus en plus loin, de plus en plus petite, et finit par rassembler à n'importe quelle étoile du ciel. Et le calme revint sur les collines entourant Bethléem. Les bergers se regardèrent. « Je crois que c'est vrai, » dit l'un. « Je pense que nous devrions y aller, » dit un autre. « Je suis d'accord, » dit un troisième. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils se précipitèrent vers Bethléem. « Dans une crèche, » avait dit l'ange. Chaque berger savait qu'il trouverait une crèche dans une grange ou bien dans une étable, un endroit où l'on gardait les animaux. Ces derniers mangeaient le foin placé dans la crèche par la personne s'occupant d'eux. Et là, dans la nuit, ils trouvèrent Marie et Joseph avec le bébé Jésus couché dans une crèche, tout comme l'avait dit l'ange. Ils pensèrent aux paroles de l'ange « Un sauveur est né pour vous » et ils surent que ce bébé venait de Dieu. Doucement, ils s'agenouillèrent et adorèrent l'enfant. Bientôt, les bergers revinrent vers leurs moutons. Ils retournèrent sur les collines, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. En chemin, ils dirent à tous qu'ils avaient vu Jésus, le sauveur du monde. Et ils parlaient longtemps de cette nuit, racontant à tous ceux qui les écoutaient la visite de l'ange, le merveilleux chant des anges et la découverte du petit Jésus, couché dans une crèche. Marie et Joseph étaient étonnés. Quelle merveilleuse nuit ce fut pour eux. Marie savait qu'elle se rappellerait toujours de la visite des bergers. Et lorsque Jésus serait plus grand, elle lui raconterait la nuit de sa naissance. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La règle d'or ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » Sarah fronça les sourcils. Les autres filles dans la salle à manger la montraient du doigt en riant. Qu'avait-elle fait? Pourquoi était-elle toujours aussi méchante? Puis elle eut une idée. Que ferait Jésus? Alors elle regarda ses filles droit dans les yeux et leur sourit. Où avait-elle appris à agir ainsi? Jésus lui avait appris à traiter les autres comme nous voudrions qu'ils nous traitent. Imagine que nous sommes assis sur le flanc d'une colline avec Éphraïm et que nous écoutons Jésus. Éphraïm s'est levé juste avant le jour. Il se demande s'il devra désherber le jardin. C'est alors que son père l'appelle et lui dit « Aujourd'hui, nous allons aller écouter Jésus. Peut-être va-t-il nous parler du royaume qu'il va établir. » Éphraïm est heureux. Il a entendu dire que Jésus est le Messie. La plupart croient que le Messie sera un grand chef qui libérera Israël du joug des Romains, qu'ils n'auront plus à payer leurs fortes taxes et que personne n'aura plus jamais faim. Oui, Éphraïm veut vraiment entendre ce que Jésus a à dire. Jésus est occupé à guérir des gens le long du rivage.
De plus en plus de gens s'assemblent sur la plage. Éphraïm et sa famille se hâtent pour trouver une place d'où ils pourront voir Jésus. Quelques chefs arrivent également. Ces hommes font la grimace en voyant la foule et brossent le sable tombé sur leurs robes luxueuses. Jésus commence à grimper sur la colline, loin de la plage. Les gens se bousculent pour le suivre jusqu'à ce qu'il se trouve sur une prairie tranquille. Jésus s'assoit près d'un arbre et ses disciples s'installent près de lui. Tout autour de lui, les gens s'assoient par terre et se préparent à écouter Jésus. Les chefs se tiennent debout à l'ombre d'un arbre tout proche et regardent l'herbe. S'asseoir? Jamais! Ils pourraient salir leurs robes. De plus, pensent-ils, nous sommes meilleurs que les gens ainsi ici, y compris ce Jésus. Jésus se met à parler doucement, mais tous peuvent l'entendre. Accordez la première place dans vos vies au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Se dit Éphraïm. Ne jugez pas les autres et vous ne serez pas vous-même jugés. Éphraïm se met alors à penser aux chefs qui pensent être meilleurs que les autres. Se pourrait-il que Dieu s'intéresse aux pauvres gens? Y aura-t-il une place pour moi et ma famille dans le royaume de Jésus? Jésus raconte maintenant l'histoire d'une personne qui avait un brin de paille dans l'œil. C'était déjà arrivé à Éphraïm. Il avait cligné et cligné des yeux, mais en vain. C'est son père qui finalement le lui avait enlevé. Jésus ajoute « Pourquoi prêtez-vous attention à la paille dans l'œil de votre frère sans vous préoccuper de la poutre qui est dans le vôtre? Comment pouvez-vous dire à votre frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que vous avez une poutre dans le vôtre ?» Hypocrite ! Enlevez premièrement la poutre qui est dans votre œil et alors vous verrez comment enlever la paille de l'œil de votre frère. Éphraïm sourit en imaginant ce que cela ferait d'avoir une grande poutre dans l'œil. Tout le monde rit, à l'exception des chefs, bien sûr. Jésus continue en parlant de l'amour de Dieu, puis il énonce une règle de son royaume. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Éphraïm regarde la foule autour de lui. Certaines personnes sourient, mais d'autres pas. Éphraïm vient de comprendre quelque chose d'important. Dans le royaume de Jésus, chacun traite son semblable avec bonté. Personne ne cherche les fautes des autres. Au lieu de cela, tous veulent que Jésus ôte leurs fautes. Les habitants de ce royaume vivent pour aider les autres. Coucou jeune amie, heureuse de te retrouver. Et oui, c'est le dernier jour de l'année et d'ici quelques heures, une nouvelle année va s'offrir à nous avec nos nouvelles résolutions. Mon souhait pour toi et pour moi, c'est que nous puissions rester sous la protection de Dieu en faisant le choix de toujours marcher avec lui. Ce mois-ci, nous avons étudié le magnifique récit de la naissance du Christ. Et nous savons que Jésus est le plus grand don du ciel. Il s'est donné pour nous afin de nous assurer le salut et la vie éternelle. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans les versets suivants. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous est également dit dans Hébreux 13, le verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Existe-t-il de meilleurs cadeaux, mon ami? Si nous pensons à tous les autres cadeaux que nous pouvons recevoir sur cette terre, ils ne valent vraiment rien en comparaison avec le grand don que nous a offert Jésus par sa vie et sa mort. Alors,
Que pouvons-nous lui offrir en échange? Dieu est heureux lorsque nous lui offrons notre cœur et l'invitons à y demeurer, pour ainsi prendre notre vie et nos talents pour les transformer. Comme Marie, Joseph, les bergers et les mages que nous avons vus tout ce mois-ci, Dieu nous invite à faire le choix de le suivre, de l'adorer en lui offrant le meilleur de nous-mêmes, comme lui nous a offert son unique Fils. Tu as une infinie possibilité de choix qui s'offre à toi pour lui être agréable. Par exemple, obéir, être agréable et serviable, chanter, prier, étudier sa parole et la partager, accepter publiquement de le choisir en passant par les eaux du baptême et bien d'autres exemples encore. Lorsque Dieu offre sa vie, la grâce, le salut, nous pouvons l'accepter et nous donner en retour. Qu'avons-nous retenu ? Dieu envoya le cadeau le plus précieux que nous puissions imaginer lorsqu'il offrit son Fils pour notre salut. Il nous demande d'accepter ce cadeau et de nous donner à lui en retour. Il prend cet humble cadeau que nous lui offrons chaque jour et fait de nous des fils et des filles, des frères et des sœurs de Christ. Si nous nous donnons à lui par sa grâce, Dieu nous restaurera chaque jour un peu plus à son image. Oui, Jésus nous a donné le salut, nous lui faisons le don de nous-mêmes. Veux-tu faire ce choix avec moi aujourd'hui, mon ami? Prions. Aujourd'hui, prends-moi entièrement. Je te confie tous mes plans. Reste avec moi et conduis-moi par ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Voilà, le moment de nous séparer étant arrivé, toute l'équipe te souhaite à toi et à ta famille une bonne fin d'année et une nouvelle année dans la paix de Jésus-Christ. Il nous reste encore de belles découvertes à faire autour de la parole de Dieu. Alors, rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Mes enfants, le mois de la reconnaissance se termine et nous sommes tous invités à prendre un engagement vis-à-vis de Dieu. Alors, rédigeons ces engagements, vous êtes d'accord? Oui, mamie. Mamie, est-ce que je peux mettre tout ce que je veux dans mon engagement? Un engagement, ma chérie, est une promesse. C'est un contrat dans lequel on donne sa parole et on doit être sûr de pouvoir respecter tout ce qu'on dit. Donc, tu peux mettre tout ce que tu es certaine de pouvoir faire. Ok, d'accord. Je sais ce que je vais mettre dans mon engagement. Alors, tous les engagements sont rédigés? Prêt pour la lecture. Mais attendez, avant, je voudrais vous parler du fruit que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Il s'agit de comquats. D'abord, on les mange avec la peau. Et ce sont des fruits riches en fibres
qui favorise la digestion et aide à résoudre les problèmes de constipation. Ils sont une source de vitamine C et surtout B. Et vous savez, les enfants, manger des comcats, ça donne une belle peau. Et l'huile essentielle de comcat purifie l'air et a des vertus apaisantes. Je vais aller vous en chercher tout à l'heure. Très bonne idée, Marie. Mm-hmm. Ah oui, depuis le jour que j'attendais de déguster des comcats. Maintenant, qui commence pour les engagements? Moi, je veux bien. Moi, Estelle, je m'engage aujourd'hui 31 décembre 2022 à suivre le modèle que Jésus a donné chaque jour de ma vie et aussi à l'aimer. Je désire que mes actions honorent Dieu. C'est pourquoi je veux gérer avec lui dans tout ce que je fais. Je veux aussi remercier Dieu toute ma vie pour tout ce qu'il a déjà fait et qu'il fera pour moi. Bien, Estelle. À ton tour, Mathéo. Ok. Je vais m'engager à aimer Jésus qui est mort pour moi et lui obéir. Je veux aussi prendre l'habitude de gérer avec Dieu à chaque fois que je dois faire quelque chose afin que mes actions soient toujours bonnes. Je m'engage aussi à toujours remercier Dieu pour tout et durant toute ma vie. Bien. C'est ton tour, mamie. Je suis une fille de Dieu et je l'aime de tout mon cœur. C'est pourquoi, en ce 31 décembre 2022, je m'engage à faire de mon mieux pour accomplir sa volonté chaque jour. Je veux m'efforcer de ressembler à Jésus, mon modèle et mon sauveur. Je promets de toujours gérer avec Dieu, mon Père, pour tout ce que j'ai à faire. Je reconnais qu'il a fait des merveilles pour moi et je désire le remercier jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Et voilà, mission accomplie. Oui, mais n'oublions pas que par ces engagements, nous venons de donner notre parole à Dieu et que nous devons tenir cette parole. Tout comme les arbres du verger se nourrissent de la terre pour remplir leur mission, qui est de porter de bons fruits, nous pourrons nous nourrir des recommandations de Dieu pour faire le bien. Je pense à tous les fruits que nous avons eu le plaisir de déguster durant toute l'année et à tout le bien que cela nous a procuré. Et je me dis que c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et le meilleur moyen de le remercier et de tenir notre engagement est de porter des fruits qui lui rendent gloire. Et nous avons besoin de son aide pour y arriver. Alors prions. Seigneur, aide-nous à tenir les engagements que nous avons pris et que nous puissions rester toujours tes enfants tout le long de notre vie. Amen. Nous avons passé une très bonne année avec tous les enfants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, ainsi que tous les autres enfants qui nous regardent. Nous vous souhaitons une bonne année et que vous aussi puissiez écrire votre engagement comme Estelle et Mathéo. Que tous les enseignements que vous avez reçus pendant cette année 2022 puissent vous servir de guide sur le chemin qui mène à la nouvelle terre. Toute l'équipe du MEA Martinique vous souhaite une bonne année 2023. Jouer et vous m'amuser, pas de temps pour apprendre et travailler, pas de temps pour prier et adorer. La 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 la. Comment faire chaque chose en son temps? Le temps, comment tout faire à temps? Avec toi, Seigneur, je veux gérer mon temps. Viens dans mon cœur maintenant. Viens gérer ma vie, viens gérer mon temps. La 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 la. Salut les amis.
vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.